Corvo, tu m'as manqué. Non, arrêtez. Maman, Corvo, aide-moi. Aidez ma fille à tout prix. C'est lui, il a tué l'impératrice. C'est lui qui a tué la morue. Arrêtez-le. Dis-moi. Salut à tous, c'est Franco. On se retrouve sur Dishonored. Et au dernier épisode, on avait tué Campbell. Là, on est de retour au Aunt Pitts. La débâcle des superviseurs. Martin est sur le point de rejoindre les loyalistes et le sort de Campbell a mené à la confusion au sein des superviseurs. Déchiffrer le journal du grand superviseur permettra de révéler de nombreux secrets. Un grand nombre de secrets stratégiques et notamment le lieu où se trouve l'héritière légitime du trône. Emily Caldwin. Tant de mystères. Alors, allons voir ça. Ils sont tous corrompus. Bonjour. Nous devons éliminer le Lord Régent. Les marins racontent des histoires de monstres au large. Mais moi, je vous le dis, il y a des choses dans ce fleuve dont personne ne parle. Et nous devons trouver la fille. Des lumières tard la nuit. Des visages aussi. Ah. Votre attention d'une impératrice est plus solide. Il est recommandé à tous les habitants de la rive nord. Vous avez réussi. Eh oui. Vous nous avez débarrassé du grand superviseur Campbell contre toute attente. Exactement. Vous savez que vous étiez notre homme, Corvo. Avec Campbell en moins, le Lord Régent est grandement affaibli. Et avec Martin, nous avons le meilleur stratège possible. Il y a une espionne en haut. Le Lord Régent doit sûrement se faire dessus à Dunwall Tower. Oui. Et le journal de Campbell, ne l'oublions pas. Notre espoir, c'est que dans ces pages codées, nous puissions trouver l'emplacement et l'état actuel d'Emily Caldwin. Tous nos efforts seront vains si nous ne mettons pas le bon héritier sur le trône. Oh, pas mal. Nous devons faire vite. Le Lord Régent détient forcément Emily quelque part. Tu vises bien, toi. Pour la dévoiler et jouer les héros. En plus, il y a au moins 15 mètres, là. Si on ne pas avec la demoiselle sous peu, la noblesse va s'entre déchirer pour la succession de l'impératrice. Ouh, clap. Mais pour l'heure, allez vous reposer, Corvo. Bravo, sympa. Nous allons déchiffrer le contenu du journal du superviseur et nous en parlerons plus tard. Et vous parliez de quoi, au fait? Un peu de sommeil me fera du bien. Pas tout de suite, j'ai des choses à faire. Avant, amiral. Est-ce que j'ai récupéré tous les bordels? Il y a du whisky dans tous les coins ici, mais le bon vin est rare. Apparemment, il y a juste le lit de Corvo. Il me semblait qu'il y avait un truc à faire dans la tour, là. Ok, c'est parti. Et cours, petit lapin. Votre attention, citoyens de Dunwall. Nous vous rappelons que l'attaque d'un membre de la garde urbaine est maintenant considérée comme un crime capital et que les gardes sont autorisés à exécuter la sentence sur place. Les possessions du criminel sont légalement confiscables. Eh ben d'accord. Vous voulez me dire que vous ne savez pas faire la révérence ? Dégage. Je vous en prie. Je n'ai encore jamais servi un homme. Ce n'est pas une excuse. Vous devez apprendre les convenances. Ok, il est l'heure des délais en son temps. Espèce de mégère. Alors attends. Le lit is here. Allez se coucher. Allez dans votre chambre. Ouais, mission accomplie, ouais. Ouh, ça fait un max d'XP ça. La débâcle des superviseurs. Allez, c'est parti, on continue. Moi ce que je veux c'est une nouvelle cible. Parler à l'amiral. J'ai bien dormi. À la Jackie Chan. Encore un coup. Hop là. Je connais le Golden Cat. Par entendre. Qu'est-ce que tu regardes? Bonjour, Corvo. Bonjour. Ne devrait pas tarder à nous rejoindre.
Désolé de vous cueillir avec une nouvelle aussi étrange, mais les domestiques ont entendu des bruits cette nuit dans les égouts qui passent sous nos pieds. Ah. Probablement un géniard, le pauvre diable. J'aurais bien regardé, mais je peux pas tourner la tête. Ils n'ont aucun espoir de survivre à ce stade. J'ai un torticolis. Ce ne sont plus que des cadavres grouillants d'insectes qui se traînent lamentablement. Ah. J'aimerais que vous alliez voir ça de plus près. Je ne voudrais pas que ce soit un garde un peu trop curieux. Voici une clé ouvrant les grilles. J'aurais pu envoyer un domestique, mais il en serait mort de terreur. Si vous ne voulez pas l'achever... Bah et toi, tu peux pas le faire, t'as l'air de bien tirer au pistolet. C'est ça qui m'a toujours fait rire dans les jeux vidéo avec les styles RPG, tu sais. Oh, s'il te plaît, j'ai perdu mon marteau. Tu peux aller le chercher? Bah, va le chercher, toi, tu te démerdes, connard. Ouvrir les portes. Hop là, une petite sauvegarde auto. Zone des génias. Un petit peu de thune. Ouais. Ça a pas l'air très bon à manger, ça. Il le mange quand même, cet abruti. Y'a quelqu'un là-dedans? Oula. On dirait... Ouais, on dirait l'entrée par laquelle... j'ai été chercher le talisman, là. Ouais, ouais, c'est pour sortir, ça. En tout cas, il y a plein d'espèces de bestioles à l'intérieur. Ça n'a pas trop envie de nager dedans. Ça a pas l'air d'aller très bien. Ouh, il y a quelqu'un? Oula. Ça fait peur. Qu'est-ce donc? Une clé molette. Bah c'est pareil, c'est chez nous ça. C'est nul à chier. Eh, des génias. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Il se noie! Ah, sérieux! Ils sont trop nuls! Et viens, je le prends pour le rebalancer. C'est trop rigolo. Ça c'est cool. Ça j'aime bien, je crois que ça m'en fait 3. Voyons voir. Oh, j'en ai 4. Agilité, ça coûte combien? Ça en coûte 2. Gueux, n'importe quoi. Ça en coûte gueux. D'accord. Mais il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a? Possession. Vision des ténèbres. Ouais, si, ça. Agilité, ça c'est cool. Il m'en reste 2.
Il m'en reste 2. Oh, 8 runes pour ça. Vous étouffez les ennemis de lutte, on s'en fout, on les tue nous. Augmente légèrement la santé restaurée. Ça, à la limite, c'est un peu mieux que. Suite assassine, restaure légèrement votre santé. Ça, on s'en fout. À ce moment derrière, est-ce que vous regardez pas les serrures hein? C'est pareil, on s'en bat les couilles. Réduit modérément le bruit du verre brisé. Ok, donc après. Vous rencontrez des rats blancs plus souvent. Ça, ça peut être pas mal avec la. Avec mon autre. Charme douce. Il n'y a pas d'ennemi, vous êtes blessé. Les rats ne vous attaquent que si vous pressez près d'eux. Ok. Et puis ça. Ça a l'air pas mal. Je m'excuse, mais je ne participerai pas à la prochaine réunion. Ni aux suivantes, du reste. Ce qui s'est passé ici était contre nature, et le seul souvenir me rend malade. J'ai laissé les résultats de nos travaux ici pour que vous puissiez les conserver, mais j'espère sincèrement que les rats en feront des confettis avant votre retour. Au revoir. C'est bien ce qui me semblait que j'entendais autre chose. Non mais deux runes l'une à côté de l'autre, c'est cool. C'est vraiment sympa. Du coup, ça m'en fait 3. Et hop. Agilité x3, ça c'est cool. Normalement, maintenant je saute beaucoup plus haut. D'accord. Vous êtes descendu dans les égouts. Il m'a semblé y entendre un génieur tantôt. Vous êtes l'homme le plus courageux que j'ai jamais vu. Mais attends, laisse-moi monter. De la poussière partout. Pff, c'était vraiment minable leur quête là. Il y avait deux malheureux géniards. Corvo, vous vous souvenez de Martin? Bah bien sûr, c'est moi qui l'ai sauvé. Il sera peut-être à nouveau. Je vous remercie. Mais il y a pas de quoi. C'était... Vous avez donné de l'espoir. Ah, peut-être pas un honneur, parce que ce serait beaucoup, mais... Nous avons trouvé ce que nous voulions dans le journal de Campbell. Vous avez réussi. Nous savons où Emily Caldwin est détenue. Au Golden Cat. Ah. De tous les endroits. Des bains d'ouche pour aristocrates. À peine mieux qu'un vulgaire bordel. Mais il y a un petit problème. Il semble que les frères de Pendleton nous barrent la route. Les jumeaux, Morgan et Custis. Non seulement ils détiennent Emily... Mais ils contrôlent les votes parlementaires dont nous avons tellement besoin. Oh bah, t'inquiète pas. Les Pendleton doivent mourir. On va leur trancher la gorge. Emily doit être ramenée saine et sauve pour qu'on la protège. Jusqu'à ce que le Lord Régent et son entourage soient renversés. D'accord. Pendleton vous attend sur le quai. Il a demandé à vous briefer en personne. C'est mieux comme ça. C'est parti. Corvo, un moment s'il vous plaît. Bah vas-y, parle directement, je suis obligé de cliquer. J'ai à vous parler en personne. Allez, je vous envoie assassiner mes frères aînés, Morgan et Custis. Ah cool. Ce sont des monstres, comme vous le savez peut-être déjà. Des hommes cruels. Glou glou glou. Ensuite, mes frères sont de proches partisans du Lord Régent. Et tant qu'ils siégeront au Parlement,
Il nous sera impossible de rassembler les suffrages nécessaires pour l'empêcher d'asseoir son pouvoir. D'accord. Ces derniers temps, ils profitent surtout de leur position pour s'approprier les richesses d'autrui. Disons que les familles expulsées ou mises en quarantaine pour cause de contamination n'ont pas toutes contracté la peste. J'ai vraiment tout tenté pour les mettre en garde, ou peu s'en faut. Mais autant m'adresser à un mur. Ils seront au Golden Cat ce soir, à festoyer comme à leur habitude. Ils seront protégés par la garde urbaine. Ce ne sera pas une mince affaire. Allez-y, vite, avant que je ne change d'avis. Bah, de toute façon, tu viens de tout me dire, alors que tu changes d'avis ou pas, j'en ai rien à foutre, moi. Maintenant que tu me dis que c'est des enculés, ils vont crever. Allez, c'est parti. Je vous emmène au Golden Cat dès que vous serez prêt. Bah vas-y, vas-y, je suis prêt. Plus d'une fois. Attends, je vais juste faire le voir les potions. Deux secondes. Quand vous voudrez. Oui, 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 ta gueule. Je vous attends. Allez, ta gueule, j'ai dit. Tu vas pas parler pendant 3 heures, j'ai dit d'attendre. Oh, mais ils sont chiants. Toi, là. Corvo, cher ami, auriez-vous besoin de munitions ou d'armes? Bah, je sais pas. Je pourrais aussi vous fabriquer quelque chose. Ça dépend de ce que t'as. Montrez-moi ce que vous avez. Ouh. Des grenades. Finalement, ça c'est pas mal, je vais en reprendre une. J'ai combien? 1500, c'est tout. Ah, je peux acheter des runes. Ok, donc ça c'est bon. Les spirales, c'est bon. J'ai le maximum pour tout ça, ok. Et ensuite... D'accord, je peux acheter des compléments de charme. Bon, tout ça sert à rien. On dort instantanément la cible à l'impact. Ça par contre c'est cool. Non. Augmente le rayon. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Ça. Ça peut toujours servir. Dans des cas comme j'ai eu à la mission d'avant. Allez hop, c'est parti. Je vous emmène au Golden Cat dès que vous serez prêt. J'ai déjà connu l'ordre. Plus d'une fois. Non mais c'est bon, ça y est. Hein. Je t'ai dit d'attendre, t'as déjà dit ce dialogue. C'est parti mon kiki. On a des enculés à buter. La maison du plaisir. Les loyalistes pensent qu'Emily est gardée prisonnière au Golden Cat par les frères Pendleton, des aristocrates corrompus. Méprisée par leur frère cadet, Lord Pendleton, ses jumeaux sont loyaux envers le tyrannique Lord Régent. Trouvez Emily au Golden Cat et éliminez les Lords Custis et Morgan Pendleton. Je vous dépose le plus près possible du Golden Cat, Corvo. Vous devrez vous débrouiller pour la fin du trajet. Et c'est là où on était tout à l'heure. L'entrée est tout près d'Olger Square. Enfin non, parce qu'on a dormi une nuit, donc c'est là où on était hier. Avant qu'il ne lui arrive. Ouais, je me souviens, tu t'es garé là-bas. Les deux Pendleton sont là. T'as vu, regarde là-bas. Ça doit grouiller de garde. Stag Joe peut peut-être vous donner un coup de pouce pour entrer au 4. Qu'est-ce que tu me fous là? Tu te gares exactement comme hier. Ici, c'est son territoire. Bah. Avec son gang de Bottle Street, il se terre dans la vieille distillerie de whisky Dunwall. Ils vendent cet élixir qui permet de lutter contre la peste. Je fais profil bas, mais je guette votre retour avec la petite. Bonne chance, Corvo. Je sais qu'Emily fait de ma gueule sur vous. Soyez prudent dans cette rue, Corvo. J'ai croisé un batelier de ma connaissance hier soir. Il m'a dit que Clavering avait son propre mirador. On croit que la mort de Corvo... Non mais ta gueule. Vos actions ont un effet direct sur la ville. Si vous tuez beaucoup, vous verrez plus de rats et de géniards, vos alliés réagiront différemment et vos actes auront des conséquences plus sombres. S'en bat les couilles. Oh oh. Et ils sont en train de tuer les gens.
C'est quoi ce bordel là? Qui c'est qui fait un? Alors attends, j'ai pas tout compris au... pas tout compris au truc moi. Alors, éliminer les Pendleton. Éliminer les jumeaux Pendleton. Ok. Facultatif. Retrouver Slug Joe à la distillerie. Pourquoi? Je les ai empoisonnés. Non, on s'en fout, c'est des canards, je les ai déjà empoisonnés. Normalement, ils sont morts. Là. Superviseur Thaddeus Campbell est tenu de se présenter à la garde urbaine. En ces temps de crise spirituelle, les superviseurs ont lancé la grande fête. Hey, c'est justement toi que je cherchais. Ah. Slack Joe aimerait te causer. Ah bah c'est cool. C'est sympa. On l'a perdu. On y va. Hey, on va te voilà. Donnez cette vermine au Mixin. Où a-t-il pu aller si vite? C'est juste une... Ouais. Ils ont un problème peut-être. Ouais, j'ai cru qu'ils allaient pas très très bien. C'est pas grave, on s'en fout de leur gueule. C'est quoi? Oh. Hey! Aïe! Alors par contre, je sais pas d'où ils viennent eux. Ils sont méchants, ils m'ont fait mal. Non, je m'en souvenais pas de ça. Mais oui, tu l'as déjà dit. Ah, il est casse-couille lui. Par contre. Ouais, je sais. Ouais. Passer par là. Par contre, il me faudrait. Eh, c'est quoi ce machin là? Ils sont tarés. J'ai un charme d'eau à 50 mètres. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a des. Il y a un taré qui me traque. Ouais, il me cherche en fait. Je regarde un peu. 80, 97, 23. Ah, il y en a un là. Merde.
Ah, c'est parce que j'ai fait trop de meurtres à ma partie d'avant, je suis sûr. Ouais, ils sont trois. Hey! Ah d'accord, il y en a là-bas. Aïe. Hey, ils sont costauds. Hein. Ouais, il faut vraiment que je les prenne par surprise. Qu'est-ce qu'il fait mon personnage? Ouais, non, il faut que je les prenne par surprise. Ah, c'est des assassins. Voilà. Comment qu'on fait pour revenir? Allez, remets-toi debout! Ça c'est cool. Ta gueule! Donne-moi ça. Eh, hey, c'est cool! Bon, faut que je fasse gaffe, je sais pas si j'ai tué tous les assassins, on va sauvegarder un coup. Voilà. Et on va jeter un œil 87. 72. 70. Votre attention, citoyen de Dunwall. Quiconque détient des informations sur la mort du grand superviseur Thaddeus Campbell est tenu de se présenter à la garde urbaine. En ces temps de crise spirituelle, les superviseurs ont lancé la grande fête plein de génies. En attendant la nomination d'un nouveau grand superviseur. Que l'esprit de notre grand superviseur s'efface et se fonde dans le cosmos. Ça marche. Quoi? Le portail foudroyant? Impressionnant, pas vrai? C'est l'une des dernières inventions de Sokolov. Il paraît qu'il en a eu l'idée dans un rêve. Oui, oui, d'accord, mais comment ça fonctionne? Ça, j'en sais rien. Mais on a les poils qui se hérissent quand on passe à travers. Dis à tes hommes de ne pas jouer avec. Ah, il est parti. Est-ce que l'état de la ville peut encore empirer? N'en ai jamais douté. Eh, fume pas à côté de l'huile de baleine, du con, ça va exploser. Non, mais il est débile, lui, quoi. Casse-couille.
Whisky. On va en profiter pour regarder. J'ai un charme douce à 57 mètres là. Et 22 en dessous. Par contre, celui qui est en dessous. Ah ah! Celui qui est en dessous, il me semble bien qu'il va falloir que je descende. Oh, cool! On va aller par là. C'est un charme douce par là. Ah, c'est ça. Venez manger, c'est ça, mes petits chéris. Venez voir, mamie. Je ne vais pas vous manger. Merci. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Ça, c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Vers le Golden Gate. D'accord, vous 4. L'avez vu Je parle du beau garçon aux grands yeux noirs de jet. Je veux juste lui dire qu'il peut compter sur moi. Oh oui, il a dû mourir à mon avis. Il fait son œuvre. Vous voulez bien lui dire si vous le voyez. Il y a pas de souci, je lui dirai. Est-ce Arrête que tu aurais tripoté mon col, maman. Mes soupirants ont cessé de m'importuner. Tu t'en es occupé, n'est-ce pas? Bah bien sûr. Je t'en remercie. Donne-moi un cadeau. Qui est là ? Je ne vois rien. Non, ne partez pas. Mamie Chiffon a une histoire à vous raconter. Ça ne vous coûtera rien du tout. Qu'est-ce qui vous tente ? L'histoire de la majestueuse Dunwall ? Non, 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 ce n'est pas votre chose. Je veux une clé. Vous, c'est plutôt la chronique de l'impératrice Jessamine. Ceci te passe partout. Nord et impartiale, elle a ramené la prospérité et l'espoir dans la ville et a connu une mort violente il y a 6 mois. Oh merde alors. Depuis sa mort, rien n'est comme avant. C'est con. La pauvre. Ouais, la pauvre. Son esprit captif erre, sans fin. Et dans quel dessein? Oh, peut-être ici, remarque. Mais le pire est à venir. Son assassin est... Oh oh. Ils sont un comme géologue dans la compagnie de... Attendez-moi là. Ok. En qui elle avait placé sa confiance. On le dit de mèche avec l'outsider. Et on murmure qu'il ambitionne d'exterminer la population de Dunwall jusqu'au dernier.
Mamie Chiffon vous a raconté une histoire. Vous pourrez la contacter. Cette zone est maintenant interdite d'accès suite à des activités criminelles aux alentours d'Olgerville. Des miradors et des patrouilles de renfort ont été déployés. Tout un suspect sans sommation. Ouais. C'est pas vous qui avez la clé par hasard? Bande de merde. Et ben j'ai bien l'impression qu'il n'y en a pas. Oh, par là il va y avoir des rats. Oh oui. Comme j'ai tué tout le monde ici. Petite merdeuse. Comment t'as fait pour trouver de l'élixir? Ça fait une semaine qu'on a des demi-doses. Je veux pas choper la peste. Alors donne. Non, pitié, c'est pour mon bébé. Il en a besoin. Et nous alors? Si la garde urbaine est contaminée, qui te protégera? Me protéger? Attrape-la, moi je... Pour l'élixir. Non, j'en ai besoin pour mon enfant, pour pas qu'il tombe malade. Voilà. Merci, mille fois merci. Mais y a pas de quoi. Vous m'avez sauvé. Oh, c'est des enculés de toute façon. Je ne possède rien. Oh bon, y a pas de souci. Je sais. Tenez. Cette clé ouvre la porte de service de chez Valentine, le marchand de tableaux. Ah non, le marchand de tableaux. Sa maison donne sur la grande rue. J'ai travaillé pour lui. Ah, je pense savoir où c'est. Il vit tout seul. Je parie qu'il espère encore vendre le contenu de son coffre-fort. J'ignore ce qu'il lui reste, mais c'est tout ce que je peux vous offrir. C'est bien. Elle m'offre le coffre-fort de quelqu'un d'autre. C'est cool. Encore ? Hey, t'es sympa, toi. Cool. Alors, qu'est-ce que t'as sur toi, toi, connard ? Ah ouais, c'est bon. Ah, un petit peu de fil de cuivre, ça c'est bien. Par contre, j'ai pas la clé de ce que je voulais, c'est pas grave. On va sauvegarder un coup. Ah oui, c'est ça, le marchand de tableau, il est par là. De l'huile de baleine. Toute désobéissance sera sévèrement punie. À tous les officiers de garde. Bah là. Mais vas-tu passer en dessous? Non, bah il a pas envie. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit? Oui, bien sûr. Ah non, je pensais que c'était là, mais. Ah putain, il est bigleux le mec. Votre attention, citoyens de Dunwall. L'huile de baleine est désormais rationnée. Tout contrevenant sera sanctionné.
Et voilà. C'est quoi ça? Hey! Tan 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 tan. Ouais. Si tu le vois, tu cries. Et voilà. Bah là. Et c'est quoi ça? Ah, un élixir vide. Bizarre, il me semblait que le marchand de tableaux était par là. Mais... Bah alors, on peut pas monter ça? C'est quoi cette merde? Oh, mais c'est quoi ça? Ah d'accord, j'avais pas vu ça moi. Bah voilà, tu m'as fait tomber, t'es content? Il compte une nouvelle feu, salopard. Mais c'est quoi ces espèces de tours là? J'ai jamais vu ça moi. Je me souvenais pas qu'il y avait ça dans le jeu. Bah pourquoi ils ont mis ça? Bah ils sont méchants. Ah j'atterris ici. Votre attention citoyen de Dunwall. Ce quartier non. Est désormais soumis au rationnement de l'huile de baleine. Ok. Toute désobéissance sera sévèrement punie. Ah oui, d'accord, ils ont une putain de machine là. Eh, je l'avais pas vu. Alors, le truc d'os, il est où? Charme d'os. C'est bizarre ça. Ah, ils ont mis les grands moyens. Là c'est fermé. Ouais, c'est ça, c'est par la porte qui est ici. J'ai pas la clé. C'est pas grave. Ah. Hein?
Sûrement des rats. Non mais je suis désolé, les rats ils grimpent pas sur les murs. Enfin, si ils grimpent sur les murs, mais ils grimpent pas en volant quoi. Puis ils font pas 1m80. Ah! Je vais vous trouver, qui que vous soyez, puis je vais vous montrer vos erreurs. Sortez et tout se passera bien. Regardez partout. Ah! Oups! Il est mort. Il a glissé sur une flaque d'eau. Allez, c'est parti. Allez, Golden Ghoul. Golden Ghoul Glare. Avant ça, dégage. Non. Restez. Voilà. On sauvegarde un coup et on va se laisser là-dessus. Sauvegarder. Hop. Et on va créer une autre. Allez, hop. Soyons fous. Et voilà. Bon, et bien, j'espère que cet épisode vous a plu. On se dit à la prochaine. Pour le prochain épisode. Oui, c'est logique. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager.